match à tous. Après un mois et demi de trêve, la reprise s'annonçait compliquée pour les Dragons de Lanester qui recevaient le leader invaincu Caen samedi soir. Si les hommes de Gaël Baron ont cru rivaliser en terminant la première mi-temps sur le score de 12-12, la seconde période aura été beaucoup plus compliquée. De retour des vestiaires, les Canets infligent un fatal 6-0 en 15 minutes aux Lanestériens. Désarçonnés, ceux-ci ne reviendront jamais dans la partie. Lanester s'incline logiquement 19-25 et met un terme à sa série de 3 victoires consécutives. Bon, on est déçus parce qu'on a fait un match qui aurait pu nous permettre de l'emporter. Malheureusement, on fait un très mauvais retour sur le terrain en début de deuxième mi-temps avec un échec au tir très très important. On prend le 6-0 fatal qu'on ne réussit pas à remonter. Dans la semaine, on a bien travaillé, préparé le match, on a été motivés et tout. Et puis, je dis encore une fois, en fait, c'est le niveau d'efficacité au tir. Et puis, là, on n'était pas au rendez-vous ce soir. Et puis, je pense que c'est ça qui l'a fait basculer la victoire de leur côté. Ce retour à la compétition voyait les premiers pas sous le numéro 9 lanestérien du Croate, Dario Zadro. Les débuts du jeune ailier ont été plutôt timides, avec une réalisation et 3 tirs au but. Un jeune joueur qui vient de Lille. Puis il a bien s'adapté dans les semaines qu'on a passées ensemble et puis il s'est bien intégré dans l'équipe. Bien sûr, on compte sur lui, bien sûr, pour nous soulager un petit peu nos ailés côté droit. Et puis on verra bien. Il fait un bon match à l'aile. Dario, il fait un match assez solide. Voilà, il est dans le registre de jeu qu'on attendait. Prochain match à domicile pour Lanester, le 27 février, avec la réception d'Asnières, actuel avant-dernier du championnat.